Choose your player. Mario! Yo, salut tout le monde, c'est Buscaman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Battlefield Hardline. J'espère que vous allez bien, écoutez-moi ça plutôt bien. Petite vidéo condensée avec plusieurs morceaux de gameplay, on est en conquête sur la map. Putain, je m'en souviens jamais du nom de cette map, Dust Bowl. Heureusement que j'avais noté. Une map plutôt assez intéressante, je vais vous en parler. Donc on est en conquête. Là je suis avec l'espèce de héros, je sais plus trop quoi, l'arme de départ de la classe Assaut. Donc une map plutôt intéressante. Là vous voyez qu'elle commence à s'assombrir parce que vous avez un espèce de nuage de... Enfin une tempête de sable en fait qui arrive comme une map sur BF4 qu'ils avaient refaite. Une map de BF3 mais de BF4, enfin qu'ils ont refait. Je sais plus comment ça s'appelait, Opération Firestorm, pardon. Donc c'est un peu la même chose sauf que là le nuage est vraiment hardcore. Enfin à 5 mètres vous voyez plus rien. Enfin, faut vraiment se lever tôt pour faire un kill une fois que le nuage est là. Heureusement, il arrive aux trois quarts de la game, vraiment à la fin. Mais il faut vraiment se lever tôt pour arriver à killer un mec après une fois le nuage installé, on va dire, sur cette map. Donc il y a beaucoup de points intéressants, on va dire. Vous voyez tout de suite, voilà, je vais en parler maintenant. Vous voyez tout de suite à droite le point A. Donc c'est vraiment le point le plus chiant qui puisse exister parce que en fait, s'il y a une équipe qui est bien installée dessus, c'est quand même assez compliqué. Enfin, c'est pas compliqué de le reprendre, mais ce qui est chiant, c'est les snipers qui arrivent à s'y mettre. Vous voyez qu'il y a une espèce de tour radio. S'il y a un mec qui arrive à se mettre au snipe sur cette tour, croyez-moi, le mec peut s'enchaîner facilement une petite série de 10 kills au sniper. Enfin, faut quand même être un minimum skillé, mais le mec peut facilement se faire un petit carnage. Et c'est vrai que sur cette map, c'est compliqué de s'en sortir. Vous voyez qu'en fait elle est située sur une colline, enfin le point A est situé sur une colline et la map est quand même assez plate de base. Vous n'avez pas de bâtiment pour vous gâcher la route, c'est juste des petites maisons. Enfin la map est quand même voilà, relativement, c'est pas de la ville, c'est pas de l'urbain, il n'y a pas un putain de building qui va vous gâcher la route. Non, c'est vraiment assez espacé, on va dire, assez épuré. Et donc pour un sniper assez bien skillé, bah vous pouvez facilement vous faire un carnage. Donc c'est assez chiant et déroutant au début, bah, quand vous connaissez pas trop la map. Faut être aussi surtout habitué au mode conquête, hein, c'est quand même le mode principal, on va dire, de BF, hein, voilà. Mais c'est quand même assez compliqué de gérer, parce que voilà, là je reste dans les petits bâtiments, il y a beaucoup de personnes qui campent à la place où j'étais là. Bon là j'essayais juste de prendre le point, donc je me suis juste arrêté, mais il y a énormément de personnes qui campent. Pas sur ce gameplay là je pense, enfin peut-être que vous le verrez à certains moments, mais à chaque fois que je passe dans les couloirs comme ça, je regarde toujours à ma droite s'il n'y a pas un mec bah, qui est aux pompes, comme au début je me suis fait buter aux pompes. Mais non cette map ça rappelle un peu San Andreas, vous savez, un peu les quartiers ghetto de Los Angeles, sauf que là en fait on est en plein désert. Et j'ai beaucoup aimé cette map malgré le sniper. Vous allez voir là, la petite séquence, je vais buter un mec, mais vous allez voir le nombre de types qui spawnent à cet endroit. Bon, en même temps, c'était leur... Enfin, ils venaient de contrôler le point. Mais il y a au moins la moitié, c'est sûr, c'est des snipers. Parce que les mecs, enfin, voilà, quoi, ils se cachent derrière des petits rochers. C'est vrai que c'est un peu abusé. Au niveau de la camp, sur cette map, c'est un peu abusé. C'est plutôt assez facile. Surtout que vous avez des maisons qui sont assez éloignées au niveau de... Bah, au niveau du, on va dire, de l'action. Là où se déroule l'action, vous avez des bâtiments, des maisons qui sont assez éloignés de cette action-là. Et du coup, vous pouvez vous poster assez facilement en mettant votre balise. Vous pouvez assez facilement buter plusieurs mecs. Tout en n'étant pas forcément dérangé, vu que personne ne va passer dans le coin de la map où vous êtes. En haut, vous avez une espèce de citerne aussi, une espèce de tour avec une citerne. Vous voyez, bon là, je le t-bag là, juste à gauche. Vous pouvez vous y mettre aussi, ça m'est déjà arrivé de respawn parce qu'il y avait un mec de mon escouade qui s'y était mis. Il y avait au moins 5-6 mecs. Qui était en train de camper au sniper. Enfin, je vais pas rager là-dessus, mais c'est vrai que c'était un peu chiant. C'était un peu chiant. Donc là, vous voyez que je joue avec la K10. C'est une espèce de Vector. C'est pas une espèce, mais ça ressemble à une Vector quand même. Hein. Elle est vraiment agréable à utiliser. Vous avez une bonne cadence de tir. La mire est pas trop dégueulasse. Hein, ce que j'aime bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup utiliser la mire. Au niveau du tir aux UG, elle est parfaite. Enfin, vraiment, vraiment au top cette arme.
J'aime vraiment beaucoup. Elle a que 26 balles. Alors je sais pas pourquoi les armes mécaniciens comme ça là. Putain, je me souviens jamais. Ouais, c'est mécanicien, je sais plus trop là. Elles ont toutes 26 balles dans le chargeur. Avant c'était 30, 31. Bon là elles en ont 26. C'est pas grave, c'est peut-être aussi pour la bêta que c'est comme ça, on sait pas. Et bon là j'ai la fameuse petite MP5. Putain, ça fait plaisir. Donc en faisant un certain nombre de kills, vous débloquez des camouflages, genre camouflage bronze, or et argent. Donc c'est en faisant un certain nombre de kills, donc ça c'est plutôt cool aussi. Le camouflage or est pas trop dégueulasse, il est même plutôt beau parce qu'on voit toujours le noir de certaines armes. C'est vraiment genre que les parties un peu métalliques, mais par exemple la crosse, la poignée ou trucs comme ça resteront noires. Donc ça donne un petit effet, ça fait pas trop vraiment surfait comme sur Call of Duty où le camouflage or est un petit peu dégueulasse sur certains. Là ça fait vraiment plutôt assez clean. Vraiment, cette map je l'aime bien, mais compliquée à jouer. Vraiment compliquée à jouer. Bon, après, faut être habitué à la conquête, c'est pas forcément mon cas. Même si c'est un peu la base de Battlefield, c'est vrai que je joue pas trop en conquête. Je suis plus en domi ou en team deathmatch. Même en diffuse. Alors, j'espère qu'on va le retrouver, le mode diffuse sur ce petit hardline. Ça me ferait vraiment plaisir parce que c'était un mode. C'est dommage qu'il était un peu mal exploité parce que personne jouait dessus et vous aviez un bug où vous réapparaissiez sans armes, enfin vous réapparaissiez, mais vous ne voyez même plus votre écran en fait. C'était comme si vous étiez encore dans le battle log en train de créer vos classes. C'était un peu relou, il y avait un bug comme ça, je sais même pas s'ils l'ont corrigé, je ne pense même pas. C'est un peu changeant, il l'avait un peu oublié ce mode, même s'il y avait quand même du bon potentiel. Petit mode diffuse, enfin, ça faisait plaisir, j'en avais proposé déjà sur ma chaîne. Et là vous voyez que. Voilà, là par exemple c'est l'endroit préféré des connards qui se mettent là et qui vous butent dès que vous voyez un mec. Mais vraiment non, super super bien cette map, enfin j'aime beaucoup le design et puis l'ambiance. Mais c'est vrai que le nuage aussi, bon, voilà l'évolution qui vient qu'aux trois quarts de la partie, c'est pas... Bon après c'est vrai que vous voyez rien, donc heureusement que ça arrive pas à la moitié de la partie, parce que là, ça serait vraiment chiant. Mais bon, ouais, ça amène un petit plus, mais c'est pas forcément trop indispensable, on va dire. Il n'y a pas réellement de baisse de framerate aussi sur PC. Bon, il y en a un tout petit peu quand le nuage s'installe, mais c'est vraiment léger. Mais non, sinon plutôt cool cette map. Mais j'ai tendance à préférer l'autre, même si pour l'instant j'aimerais en voir plus. Mais voilà, c'est bien qu'il nous ait limité quand même que à 3 maps. Enfin, je parle de la première bêta avec, hein. Parce que s'il nous montre un peu toutes les maps, ce serait dommage. Mais c'est bien qu'il nous ait limité que à ces maps-là. Comme ça, on en verra un peu plus le jour de la sortie. Donc voilà, donc moi c'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Hein. Donnez-moi vos petites idées sur ce BF Hardline si vous l'attendez à mort. Là, vous voyez que le nuage est vraiment hardcore. Donc moi, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les gens, n'hésitez pas à lâcher un j'aime et un commentaire. Et moi, je vous laisse, je vous dis. À la prochaine. Ciao tout le monde.